Après la répétition, le dimanche matin, nous avons eu l'occasion de pouvoir aller visiter la garde républicaine et avoir une démonstration des différents corps de l'armée, de la gendarmerie qu'elle contient, à cheval, la fanfare, etc. Et c'était très intéressant, malheureusement je n'ai pas pu tout filmer puisque j'ai eu un petit problème d'espace mémoire. Mais voilà, je vais vous mettre ce que j'ai pour le moment. En espérant que ça vous plaise aussi, comme à moi ça m'a plu. Trois cavaliers du premier escadron, trois cavaliers du second escadron, trois cavaliers du troisième escadron, trois cavaliers du quatrième escadron et trois cavaliers de la brigade de cavalerie. Certains d'entre eux revêtent la tenue GDS, dite grande tenue de service, qu'ils utilisent lors des grandes cérémonies au plus haut profit de l'État. Je vais vous présenter chacun des cavaliers en vous apportant quelques explications sur leur tenue et sur leurs différentes missions. Mon capitaine, si vous voulez bien aller vers le centre du manège, vous avez devant vous, au centre, le capitaine Jacques Lebré, trompette-major de la fanfare de cavalerie de la garde. La trompette reste le plus illustre et le plus ancien des instruments de musique militaire. La trompette de cavalerie est en livre, mais elle est en argent pour la trompette major.